vous regardez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h45, très bonne journée à tous. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Bonjour Gaël Perdriau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Vous avez passé une bonne soirée hier soir à l'Élysée ? Écoutez, c'est un sentiment étrange hier soir. Mmh. On avait un peu l'impression d'être, de participer à un dîner de cons, pour tout vous dire. Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des François Pignon hier soir. Parce qu'être invité à l'Élysée, c'est toujours un honneur, bien entendu. Mais ne pas voir celui qui vous invite, ne pas pouvoir échanger avec lui. On ne l'a pas vu. Ça m'avait pensé un peu, vous savez, aux auditions du pape au Vatican. Mmh. Il y avait 3 antichambres avant de pouvoir arriver là où il recevait. Mais nous avons été très peu à pouvoir sans doute l'approcher. Il n'a pas daigné venir s'exprimer. Moi, j'attendais, compte tenu du climat aujourd'hui... Il y avait quand même une forme de câlinothérapie. Il vous a chouchouté. Ce n'est pas banal de vous recevoir à l'Élysée. C'est même une première. Oui, mais quand vous recevez quelqu'un, si vous l'aimez bien, vous êtes là. Elisabeth, vous ne faites pas... Alors, ceci dit, il y avait une quinzaine de ministres, comme nous les avons vus lors de ce congrès des maires, puisque Emmanuel Macron a donné l'ordre à ses ministres d'être au plus près, effectivement, des maires et des élus, pour essayer de les caresser dans le dos. Ils étaient là hier soir, et je dois reconnaître qu'ils ont été très disponibles, très avenants, mais ce n'est pas la parole du président de la République que nous attendions. Donc, ça ne change rien. Cette soirée à l'Élysée, ça ne va pas permettre tout à l'heure d'éviter quand même les sifflets éventuels, d'ailleurs, pas forcément. Tout dépendra des annonces qu'il nous fera. Donc, ce sera plutôt à la fin qu'on pourra en juger. Exactement. En tout cas, il ne faut pas que le président de la République pense qu'en nous caressant le dos, comme il a cherché peut-être à le faire hier soir avec ce cocktail, il a mis un étouffoir sur l'ensemble des sujets aujourd'hui qui nous préoccupent. Vous êtes sévère avec une entreprise, avec une initiative, encore une fois, qui est une première dans la République, prendre le soin de vous recevoir. Bon, vous n'avez pas pu le voir, mais la moindre des choses eût été qu'il s'exprime, au moins dans le grand salon d'honneur. Et c'est cet après-midi son discours, ce n'était pas hier soir. Il ne fallait pas nous inviter à ce moment-là à l'écouter. Vous dites comme d'autres qu'il lui manque une expérience d'élu local pour comprendre vos attentes, comprendre vos préoccupations. Oui, je le pense. Sinon, il n'aurait pas cette expression très arbitraire, très autoritaire dans les décisions qui sont prises, éloignée des préoccupations, effectivement, qui sont les nôtres sur le terrain. C'est un petit peu, vous savez, ça me pensait à la foudre de l'Olympe qui frappe comme ça de manière arbitraire, très sévère, différents sujets, le logement, l'emploi, le travail, sans véritablement associer, finalement, les postes avancés de la République que sont les maires. Vous êtes élu Les Républicains, vous êtes sensible quand même au poids de la dépense publique, Gaël Perdriau. On est drogué, la France est droguée à la dépense publique, disait Bruno Le Maire en son temps de campagne. Vous êtes d'accord avec ça ? Sur le fond, oui. Il faut contribuer à l'effort. Bien sûr, Elisabeth Martichoux, et d'ailleurs, nous l'avons fait cet effort. Déjà 11 milliards d'euros d'économies, nous l'avons fait. D'ailleurs, un petit peu plus que l'État, parce que le gouvernement de François Hollande, en même temps qu'il nous demandait de faire ses économies, accroissait les dépenses publiques. Oui, mais maintenant, là, c'est va, un on nouveau est dans plan une démarche plus vertueuse maintenant. De 13 milliards. La dotation globale de fonctionnement, cette année, elle est la même, 2018, elle sera la même que 2017. Il n'y a plus de baisse. Vous le reconnaissez, ça, cet effort de l'État. Encore une fois, sur le fond, je trouve que les décisions de réforme, que ce soit de la fiscalité, des politiques de sécurité, de politique de logement, du code du travail, ce sont de bonnes réformes, de bonne volonté, en tout cas, de réforme. C'est nécessaire. Mais dans la méthode, il faut absolument qu'il associe davantage les élus locaux. Souvenez-vous, Elisabeth Martichoux, au mois de juillet, la Conférence nationale des territoires. Au Sénat, le président de la République invite l'ensemble des maires à échanger, à discuter sur ces réformes. Il prend des engagements, il fait des promesses. Au mois d'août, il prend exactement le contre-pied de ce qu'il a dit quelques semaines plus tard. Il y a eu les emplois aidés. Ça a été un marqueur fort dans la rupture entre les maires et effectivement l'exécutif. Par exemple, vous, à Saint-Étienne, qu'est-ce que cette baisse d'emplois aidés affecte comme service municipal ? Alors, la mairie emploie des contrats aidés principalement dans les écoles maternelles et primaires. Les centres sociaux, les centres de loisirs sont les deuxièmes employeurs de contrats aidés, des activités. Donc, ça sont des associations, oui, mais municipales. Ou indépendante. Mais c'est très lié parce que ces associations qui sont indépendantes sont très largement subventionnées par la mairie. Et évidemment, quand les contrats aidés sont supprimés par l'État, eh bien, les éducateurs, les directeurs se tournent vers la mairie en disant il faut compenser. J'ai fait le calcul à Saint-Étienne, ça représente 3 millions d'euros. Nous ne pourrons pas compenser. S'il fallait compenser l'ensemble sur 2018 des emplois aidés, ça représenterait 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour la ville. Et ça fait combien d'emplois supprimés? Environ 150. Pour la fin de cette année et l'année prochaine. C'est ça. Ouais. Et donc 3 millions, vous ne pouvez pas? Bien sûr que non. Pas avec les efforts qu'on nous demande de faire par ailleurs. Ah oui, parce que ça s'ajoute aux économies qu'on vous demande par ailleurs. Que vous allez faire?
Bien sûr qu'on va les faire comme on l'a fait. Déjà 17 millions d'euros d'économies dans les caisses de la ville. C'est évidemment beaucoup d'investissements en moins. Ce sont des choix. Mais encore une fois, je ne le critique pas. Ça nous a obligés à être sans doute plus vertueux dans un certain nombre de domaines. Mais il y en a un petit peu marre aussi d'entendre le président de la République pointer les élus locaux du doigt comme étant les uniques responsables finalement de la dépense publique. Est-ce que dans son esprit, vous faites un peu écran finalement entre la relation qu'il a, lui, le président, et les Français? Vous êtes des intermédiaires finalement. J'allais dire pas indispensable. Si, indispensable, mais lui, il aimerait avoir cette relation directe, finalement. Mais je pense qu'au contraire, il nous utilise un peu comme des boucliers, finalement, vis-à-vis de l'État. Il nous met devant comme étant les responsables de la dépense publique. Nous, on a fait l'effort. Les 11 milliards, nous les avons fait, les 11 milliards d'économies, pendant que l'État continuait d'agrandir le déficit public. À la fin du quinquennat. La suppression de la taxe d'habitation, elle sera compensée au centime près engagement pris. Quel est le problème? Eh bien, s'il tient ses engagements, il n'y en aura pas. Mais si c'est comme la taxe professionnelle qui devait être compensée à l'euro près, quand on regarde sur le budget 2018 qui baisse de 10% par rapport à l'année de suppression de la taxe professionnelle, eh bien c'est encore... Vous ne demandez pas qu'il renonce à la suppression de la taxe d'habitation? C'est une dépendance supplémentaire des collectivités locales à l'État. On en sera à 65% des revenus des collectivités à l'État. Donc ça veut dire qu'on diminue finalement l'autonomie des collectivités locales. Mais je ne veux pas faire un procès d'intention. Mais est-ce que vous voudriez qu'il renonce à cette suppression? Je pense que la réforme fiscale qu'il ambitionne doit faire l'objet d'un débat beaucoup plus large que la suppression de la taxe d'habitation, qui est un des éléments. 72%, révèle l'IFOP ce matin, sont favorables à la suppression, donc avant qu'il y renonce. Mais je peux le comprendre, puisque 86% des Stéphanois vont bénéficier de cette suppression, donc je me mets à leur place. C'est une bonne nouvelle, mais il ne faudra pas que, encore une fois, cet effort de l'État pèse sur les finances des collectivités, parce que finalement, on va demander aux maires d'augmenter les impôts, Emmanuel Macron aura baissé. Donc vous réclamez un moratoire sur les emplois aidés pour l'an prochain, on a compris, vous ne pouvez pas compenser. Un réexamen de cette suppression de la taxe d'habitation, s'il n'y a rien sur ces deux sujets cet après-midi, dans un discours qui sera fleuve, vous serez déçu. Plus que de revenir sur ces annonces-là, moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République ouvre un vrai dialogue en présentant des marges de manœuvre réelles dans les négociations avec les élus locaux. Enfin, qu'il nous écoute, et puis qu'avec l'Association des maires de France, avec François Baroin, son président, nous puissions discuter avec lui sur chacun de ces sujets et que ça ne tombe pas comme ça de Paris. François Baroin a dit que c'est bien d'avoir un président qui est ouvert au dialogue. Donc, voilà. Oui, il a dit aussi que vous les maires... Vous ne sifflerez pas tout à l'heure. Il a dit aussi... Non, moi je suis républicain, je suis respectueux de la fonction. Mais François Baroin, il a aussi dit que les maires diront à Emmanuel Macron ce qu'ils ont sur le cœur. Et je peux vous dire que pour l'instant, il est chargé d'émotion. Je voudrais vous faire réécouter, Gaël Perdriau, cette affirmation de Laurent Wauquiez sur RTL le 29 octobre dernier au Grand Jury. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui en France des quartiers qui sont les quartiers perdus de la France. Lesquels ? Vous venez avec moi, on part de la place de Lyon, on fait 10 km en direction de l'ouest, je vous amène à Saint-Étienne, vous venez avec moi, on ira à Firminy, et vous verrez rapidement que la réalité va vous sauter au visage. La réalité saute au visage, Gaël Perdriau, quand on va à Saint-Étienne. Par parenthèse, 10 km de la place de Lyon, c'est plutôt optimiste, enfin c'était un lapsus sans doute. Vous aviez été choqué à l'époque de cette déclaration. Il n'y a pas de quartier perdu de la République à Saint-Étienne? Non, franchement, cette expression, elle est évidemment complètement déconnectée de la réalité. Il n'y a pas un quartier, parce qu'il parlait du communautarisme, des quartiers perdus. Oui, évidemment. Il n'y a aucun quartier à Saint-Étienne où on ne rentre pas plus parler, à Firminy. Bien sûr que non. Il n'y a pas de communautarisme à Saint-Étienne? Mais je dirais vous n'êtes pas testé par certaines associations prosélytes, comme certains maires le disent, admettent qu'effectivement, il y a des coups de boutoir. Vous voulez dire, si on veut voir émerger ce que certains évoquent aujourd'hui comme des quartiers perdus de la République, je pense effectivement que le président de la République doit poursuivre en enlevant finalement les moyens aux collectivités d'agir, comme peut-être il se prépare à le faire. Vous dites une forme de chantage, quoi. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des quartiers perdus de la République, monsieur le président, donnez-nous plus de moyens. Oui, c'est sur les... Ce n'est pas une question religieuse pour vous, c'est une question de moyens. Je vais vous dire, quand Laurent Wauquiez parle de ces quartiers perdus de la République, il fait allusion à des quartiers, d'ailleurs en faisant aussi allusion un peu à la théorie du grand remplacement, dans lesquels aujourd'hui, certaines populations françaises, de souche on va dire même, n'auraient pas le droit de rentrer. Et Saint-Étienne, c'est pas le cas. Et je vais vous dire même, à Saint-Étienne, ça fait deux siècles que l'ensemble des populations, là d'où qu'elles viennent, les Algériens, les Marocains, les Polonais, les Italiens, les Polonais, travaillent ensemble depuis le fond des mines. Alors il y avait un avantage, c'est que quand on sortait du fond, on avait tous la gueule noire. Mais alors, il invente Laurent Wauquiez?
En tout cas, il exagère. Je ne sais pas pourquoi il a sait, pu dire. Il sait que c'est faux, il le dit quand même. Mais Elisabeth Martichoux, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Ouais, pourquoi Vous ne vous êtes pas parlé. Jamais. Il ne m'a même pas passé un petit coup de fil ou envoyé un petit texto pour m'expliquer pourquoi il avait fait cette sortie sur votre antenne. Mais en tout cas, c'est en décalage avec la réalité que vivent les Stéphanois, je peux vous le dire. Il était votre candidat pour les régionales, il était votre candidat pour la présidentielle, il l'est toujours. Bah, je ne voterai pas pour lui le 10 décembre. Ah bah oui, je ne peux pas laisser insulter ma ville et la population stéphanoise et aller le soutenir par mon vote. Ce n'est pas possible. Voilà, le parler vrai de Gaël Perdriau ce matin sur RTL. Merci, monsieur le maire de Saint-Étienne, d'avoir été avec nous dans ce studio. Gaël Perdriau qui craint d'avoir participé à un dîner de cons, nous a-t-il dit hier soir à l'Élysée, avec ses confrères de l'Association des maires de France. Le maire de Saint-Étienne nous indique que pour sa seule ville, la compensation de la suppression des emplois aidés s'élève à 3 millions d'euros. Il réclame donc un moratoire. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, Cyprien Silly.